Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle séance de préparation physique placée sous le thème des Jeux Olympiques. Vu qu'ils ont été annulés à Tokyo, on va essayer de les vivre entre nous. Du coup, on va bouger, on va se dépenser, surtout, on va s'amuser. Et ça, c'est super important. Pour le matériel, aujourd'hui, on va avoir besoin d'une raquette de tennis, d'un manche à balai, n'importe quoi si vous n'avez pas de raquette, du moment que c'est à peu près la même dimension. Une balle de tennis, une bouteille d'eau qui va rester pleine, ça va être un poids. J'ai la bouteille d'eau pour m'hydrater qui est à part. Et un tapis. 4 gros blocs sur la séance d'aujourd'hui. Une première partie, mobilisation articulaire pour rentrer dans la séance, s'échauffer. Une deuxième partie, échauffement musculaire avec des exercices de coordination qui sont importants à faire en début de séance quand on a l'esprit bien libéré et qu'on n'est pas trop emprunté physiquement. Ensuite, une partie cardio où là, on va faire différentes épreuves des Jeux Olympiques. J'expliquerai ça un peu plus tard, ça fait un petit teasing. Et une dernière partie, renforcement musculaire, où on va se concentrer sur les abdos et les lombaires. Quelques consignes que je rappelle à chaque fois, si vous avez vu les séances précédentes, mais qui sont super importantes. La posture, être bien gainé sur chaque mouvement, chaque exercice, attention de bien verrouiller au niveau abdos pour protéger son dos, pour prévenir des blessures. La posture, je rappelle, doit aussi respecter les courbures naturelles du corps, de la colonne vertébrale au niveau cervical et au niveau lombaire. La respiration, toujours présente, que ce soit sur les moments de récupération ou sur les moments d'exercice. On pense à bien expirer avec la bouche, même à grossir le trait, même quand on compte le nombre de répétitions, c'est important de compter en soufflant pour toujours respirer et ne jamais être en apnée. La concentration, on fixe son attention sur le mouvement qu'on est en train de réaliser pour le faire techniquement de la meilleure façon possible. Et en plus de la partie technique, on va aussi comme ça se concentrer sur son muscle et travailler bien en profondeur. Dernière partie des consignes importantes, le rythme. La séance d'aujourd'hui, elle est assez intense, vous allez voir. Le rythme, on va l'adapter en fonction de son niveau, en fonction de sa forme du moment. J'expliquerai dans la séance comment on peut adapter le nombre de répétitions pour ne pas se mettre dans le rouge. Objectif, aller au bout et ne pas être en sur-régime trop tôt, parce que derrière, du coup, forcément, on n'est pas efficace et on ne va pas ensuite aussi, au niveau motivation, en garder un bon souvenir. Donc ça, c'est important de se ménager à ce niveau-là. On va commencer d'emblée, mobilisation articulaire. Donc, comme d'habitude, on va mettre ses mains sur les hanches, on va commencer par la tête, on va faire des cercles. A chaque fois, on met de l'amplitude, mais une vitesse lente. Hein. On se rappelle, dans un sens, dans l'autre sens. On fait aussi le oui-non, le menton poitrine, puis vers le ciel. Voilà, vitesse lente. Le regard qui suit, et le non, de gauche à droite. Voilà, important de bien contrôler le mouvement. Les épaules, on va faire des cercles avec ses bras, de l'amplitude, vers l'avant, et ensuite vers l'arrière, en essayant d'être gainé, hein, d'emblée, pas basculer et creuser son dos. Ok, deuxième exercice pour les épaules, on monte un bras, on monte l'autre, des cuisses jusqu'au-dessus de la tête, on reste bien droit, bien gainé. Ok, on passe au poignet, des petits cercles dans un sens. Dans l'autre sens. Et ensuite, on va se mettre au sol. Vous verrez tout à l'heure aussi, on sera amené à utiliser cette position. Et on va malaxer le sol pour utiliser toutes les angulations possibles au niveau des poignets. Voilà. Parfait. On remonte, on passe aux hanches, des petits cercles. Fait bouger son bassin. Dans un sens, dans l'autre sens. Essayez de bien isoler, hein. Concentrez-vous sur la partie qui travaille. Et ensuite, d'avant en arrière, les fesses en arrière, et ensuite son bassin en rétroversion, on avance. On recule, on avance. Très bien, on passe aux genoux. Des petits cercles. Genoux collés, pieds serrés, dans un sens, dans l'autre sens. Et on enchaîne avec les chevilles, des petits cercles, une après l'autre bien sûr. Pas tomber, c'est dommage en début de séance. Dans un sens, dans l'autre sens.
Et puis dernier exercice, on met ses deux pieds légèrement écartés, on monte sur les pointes de pied, on bascule le poids du corps sur les talons. Voilà, on essaie de bien gérer son équilibre. Toujours petit travail de gainage. Voilà. Alors, on va passer sur l'échauffement musculaire. Les petits exercices de coordination, on va les faire avec la balle. Donc, je vais faire un petit peu de place. Tac. Alors, la balle, il va y avoir trois exercices qu'on va enchaîner. À chaque fois, chaque exercice, on va les réaliser en marche avant, marche arrière, donc avec du déplacement. Et on va faire 4 allers-retours. Premier exercice, on a la balle dans la main et on va circuler en faisant des petits dribbles, comme au basket. Je contrôle bien ma balle. Ma balle, je la fais rebondir si je suis avec la main droite, à droite et devant. Et à droite et à gauche, pardon, et devant si je suis avec la main gauche. Marche avant, marche arrière. Donc ça donne ça. Voilà, je contrôle le mouvement. Et j'enchaîne. Moi, je suis sur une petite distance, à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. Faites-le sur la plus grande distance, voilà, c'est vous qui gérez. Les dribbles, marche avant, marche arrière. Deuxième exercice, la balle est au pied, à mes pieds. Je vais faire toujours marche avant, marche arrière et je vais guider la balle et je vais la faire passer du pied droit au pied gauche. Donc avec des petits piétinements. Et la marche arrière. Je dirige la balle du pied droit au pied gauche et je repars. Ainsi de suite. Pareil, 4 allers-retours. Troisième exercice. Un pied sur la balle, et ça on l'a fait sur la séance précédente, mais on le faisait sur place. Maintenant on va le faire en déplacement. Mon pied droit sur la balle, et mon pied gauche à cloche-pied. Et je fais rouler la balle, en essayant de garder le même écartement. Et en marche arrière. Je contrôle mon mouvement, j'ai le poids du corps, je suis stable sur la jambe qui travaille. Pas de risque de tomber. J'ai fait un aller-retour, c'est assez contraignant, donc je change directement de pied. Deuxième aller-retour, troisième et quatrième. Ensuite on se fait une petite pause et on se refera un petit tour. Pour essayer d'améliorer un petit peu encore chaque exercice. On est parti? Allez, go! Les petits dribbles. Voilà, on contrôle. Un aller-retour, changement de main. Main gauche. Ça paraît simple. On essaie de le faire avec la balle qui reste toujours sur le côté et devant, même en marche arrière. Dernier aller-retour, main gauche. Ok. Parfait. La balle au pied. Et je contrôle, pied droit, pied gauche. Des petites passes, hein, pour ne pas perdre le contrôle de la balle. Marche arrière. Donc là, j'enchaîne les 4 allers-retours. Deuxième. Ok, on enchaîne. Le retour. Troisième. Allez. Pensez à bien garder vos appuis au sol. Des petites touches. Dernier aller-retour. On souffle, hein. Même si l'exercice paraît facile. Ok. Dernier exercice. Chacun a son rythme. Hein. Moi, je donne un rythme, un tempo. Vous savez, vous pouvez rattraper en cours de route. Dernier exercice, le cloche-pied. Marche avant, marche arrière. Mes pieds sont toujours écartés. Je change de pied. Pied droit. Je contrôle. Je recule. Mon pied est toujours sur la balle. Il fait rouler la balle. On repart pied droit, pied gauche. On tient. Et une dernière fois, changement de pied. Cherchez pas à aller trop vite. Ok. On fait une petite pause, 30 secondes. Voilà, on marche. On souffle, on peut boire une petite gorgée si on commence déjà à avoir soif. Et on va le refaire. Et on va refaire du coup ces trois exercices enchaînés. 4 allers-retours. Attention, dans 5 secondes, on peut prendre la balle dans la main. 3 secondes. Et on est reparti. Allez, petit dribble. Main droite. Ok, changement de main. Main gauche. Voilà. Dissocie le haut et le bas. Main droite. Et une dernière fois, dernier aller-retour avec la main gauche. On souffle, on met la balle au pied. Pied droit, pied gauche. Allez. Tac, la marche arrière. Marche arrière, pensez bien, écartez bien les pieds hein, pour vous stabiliser, pas risquer de vous déséquilibrer. Marche arrière est toujours compliqué.
Il faut s'assurer de la faire dans les bonnes conditions. Voilà. Tac. Allez, il me reste un dernier aller-retour. J'accélère un petit peu le mouvement, voir si je contrôle toujours bien la balle. C'est bon. Tac. Dernier exercice. Le cloche-pied, on enchaîne. Allez. Pied gauche. Et je recule. On change. Pied droit. Essayez de travailler en ligne droite. Sans dévier de la trajectoire. J'ai repris pied gauche. Ok, dernier aller-retour. La marche arrière. Ok, impeccable. On met la balle de côté. Et on va enchaîner par avec l'échauffement un petit peu plus poussé musculaire. Donc on va trottiner. Je vous invite à trottiner. Essayez d'utiliser tout l'espace avec les moindres recours hein, pour qu'il y ait des changements d'appui, changements de direction. Pendant qu'on trottine, je donnerai des indications. On va tenir pendant 3 minutes et puis je vais vous demander au bout d'un moment d'augmenter un petit peu le rythme et de me faire des montées de genoux, des pas chassés, des talons fesses. Et puis ça, on va l'inclure voilà, dans la course, dans les 3 minutes, pour monter un peu l'intensité, pour préparer ses muscles sur les Jeux Olympiques qui s'enchaîneront juste après. On est parti pour 3 minutes. Go! On trottine. Allez, on commence tranquille, hein. Faut que ce soit progressif sur les 3 minutes. Au début, je commence, je relâche mes bras. Hein. Et on souffle. Voilà. Chose importante, quand on change de direction, on va essayer de marquer l'appui au sol. Pied gauche, changement de direction, j'ai marqué l'appui. Voilà, c'est déjà le premier de cet exercice. On souffle. Attention, on va se faire des montées de genoux. Go! Allez, on garde le même rythme, on continue à se déplacer, mais on monte les genoux. Top! On revient, course normale, on marque les appuis, et j'utilise tout l'espace, et je souffle. Attention, prêt pour les talons aux fesses. Go! Talons aux fesses. On souffle. Et on tient le rythme. Top! On va enchaîner avec des pas chassés assez bas sur les jambes. Des petits pas chassés sans que les pieds se touchent. On change de direction, on change de sens. Allez! Voilà, on contrôle chaque déplacement. Top! On revient normal et on va accélérer légèrement la vitesse de course et de chaque petit exercice. Attention, on va s'amuser sur des pas croisés. Le pied passe devant, le pied passe derrière et on change de pied. On y va, encore. Top! On souffle, on continue. On a augmenté un petit peu l'intensité, on peut lever un petit peu ses bras pour s'aider de ses bras. Toujours marquer les changements d'appui au sol. Attention, on se fait monter le genou. Go! Montez le genou! Et on continue à se déplacer. Attention, les genoux restent bien parallèles. Et j'appuie avec mes pointes de pied, je griffe au sol. Top! On souffle. Alors maintenant, je vais vous demander, à chaque fois qu'on pose l'appui, une flexion et je pousse dans votre direction. Une flexion et je pousse. Et je continue à me déplacer en pas couru. Voilà. Flexion et je pousse. Un ancrage au sol et une poussée dans l'autre direction. On souffle, encore. On va augmenter un petit peu l'intensité maintenant de course. Et on va se faire des talons aux fesses. Go! Allez! On accélère un petit peu le rythme. Ok, on court normal. Et des pas chassés, petits pas chassés, furtifs, bien fléchis, gainés. Allez, on tient. On va se rajouter 30 secondes pour bien terminer. Ok, on continue à courir, on va augmenter un petit peu l'intensité de course. Je me déplace et je vais faire des cercles avec mes bras, comme sur l'échauffement. Mais moins d'amplitude, un peu plus rapide. Allez, vers l'arrière aussi.
Ok, top. Finale, on marche. Alors, on va donner un petit temps de récupération. Là, les muscles ont commencé à chauffer. Le cardio est monté. Je suis prêt pour le reste de la séance. Je vais vous montrer, vous expliquer les 10 épreuves. Le principe, on va se faire les Jeux Olympiques. 10 épreuves qui sont aux Jeux Olympiques et qui vont me permettre de travailler sur des mouvements, des déplacements pour travailler, pour muscler et se dépenser et travailler sur l'ensemble du corps. Je vais vous expliquer le principe. Alors déjà les épreuves. On va commencer, on a le football, on a le tennis, on va faire de l'escrime, on va faire du canoë-kayak, de l'athlétisme, de la lutte, du basketball, natation, de la boxe anglaise et de l'escalade. Qui aurait pensé avant qu'on allait faire tous ces sports dans son salon ou sur sa terrasse? Personne. Mais vous, vous allez le faire aujourd'hui, dans cette séance. Ces 10 épreuves, elles vont s'enchaîner. On va le faire par palier. Le premier palier, c'est les 8e de finale. En 8e de finale, on fait 6 répétitions de chaque mouvement dans chaque épreuve. Et on enchaîne les 10 épreuves. Une fois qu'on a fini ce palier, on va avoir 20 secondes de récupération pour souffler, pour être prêt sur le palier suivant qui sont les quarts de finale. En quart de finale, on passe à 10 répétitions de chaque mouvement sur chaque épreuve. Quand j'ai fait 10 épreuves enchaînées, je vais avoir le droit à 40 secondes cette fois-ci de récupération avant de passer en demi-finale. En demi-finale, je suis à 14 répétitions de chaque exercice. Petite pause derrière. 1 minute de pause. Et la minute de pause, elle va me servir pour me concentrer pour la finale. La finale, c'est 20 répétitions de chaque exercice. Là, c'est vraiment pour aller chercher un petit peu plus au niveau cardio, au niveau musculaire et tenir jusqu'au bout. Ça, c'est le programme, on va dire, classique pour ceux qui sont déjà entraînés, qui sont en forme et qui sont habitués à répéter ces exercices en fractionné. Pour les autres, ceux qui débutent ou ceux qui sont moins entraînés, je vous invite à prolonger les demi-finales en finale. C'est quand même une finale, mais à 14 répétitions. Et on tient et on se gère. Le but, c'est que tout le monde arrive jusqu'à la dernière répétition de la dernière épreuve. Peu importe le nombre qu'on aura fait, on l'a fait en fonction de son niveau. Je vous montre chaque exercice, chaque épreuve, comment on va fonctionner. Le football, comme vous savez, c'est avec les pieds. On prend la balle et on va faire des passes. Moi, j'ai une plainte devant moi, là. Je vais faire des passes à l'intérieur, avec l'intérieur du pied, pied droit, pied gauche. Le but, c'est de contrôler la balle, d'être toujours en mouvement et d'enchaîner les passes. Donc là, j'en ai 6 sur le premier palier, quand je serai au deuxième, 10, etc. Voilà, vous trouvez un endroit là pour pas tout casser chez vous, mais qui est possible de faire. Donc ça, c'est le football. Ensuite, on est au tennis. Tennis, on prend sa raquette, on va faire un coup droit, un revers. Attention d'avoir bien de la place, pas casser un vase, ça serait dommage. Voilà, quand je fais mes coups droits et mes revers, je contrôle le mouvement, j'ai de l'amplitude et je vais passer ma hanche après la raquette. Voilà, donc j'utilise le haut et le bas. Donc là, je répète, 6 fois sur le premier palier. J'enchaîne avec l'escrime. L'escrime, je garde ma raquette dans la main, je me mets de côté, c'est une fente avant sautée avec une extension de bras. Une fente avant avec le bras droit, jambe droite, bras droit. Je fais 3. Et ensuite, l'autre moitié avec le côté gauche. Voilà l'exercice de l'escrime. Le canoë-kayak, on va se servir du tapis. Donc dans le canoë, je suis assis sur les fesses. Je vais soulever mes pieds pour qu'il y ait un travail au niveau abdos. Je prends ma raquette dans le sens horizontal et je vais venir pagayer. Et l'intérêt, c'est que je vais créer un peu de déséquilibre. Et pour le gainage, pour l'utilisation des abdos, le déséquilibre, il est bien parce que je vais contrôler pour rester en équilibre. Et du coup, je vais me servir de mes muscles profonds au niveau abdominaux. Et ça, c'est important. Ça, c'était le canoë-kayak. L'athlétisme. L'athlétisme, on pose le tapis, on pose la raquette. Oula. Pas cassé, c'est dommage. On se met dans les starting blocks, prêt à démarrer, à vos marques. Prêt. Et là, on va faire des touches en course, mais rapide, comme un sprint. 6 touches sur la première, 10 touches, 14. Et 20 ou re 14. Vous avez vu comment j'ai fonctionné? Tac, tac. Et je cours sur place en restant les pieds bien parallèles. Ensuite, on est sur la lutte. Alors la lutte, on est amené à être debout et au sol. Donc je suis debout,
Je me mets au sol. Alors l'intérêt, c'est de prendre le tapis quand même, dans ce sens-là, pour protéger ses genoux. Voilà. Et donc du coup, je mets mes genoux sur le tapis, mes mains, je me redresse, mes genoux, mes mains. Quand vous avez bien fait le mouvement, essayez de changer de sens. Commencez par le genou gauche, la main gauche, etc. Et je me redresse. Ça, c'est la lutte. Ensuite, le basketball. Basketball, on va le faire sans matériel pour ne pas tout casser chez vous. On se met de côté. On se met en position de shoot, une flexion, une extension, et on guide le ballon comme si on faisait un vrai shoot. Et on enchaîne. Voilà, en restant bien stable au sol et en l'air. Ensuite, la natation. La natation sur le tapis, en plus il est bleu, ça me rappelle la piscine. Je m'allonge. Et alors l'idée, c'est de faire des mouvements de brasse coordonnés avec des ouvertures de jambes, comme à la natation. Et je vais essayer de mettre de l'amplitude, d'utiliser vraiment, d'aller sur l'arrière, de resserrer mes omoplates pour travailler sur toute la chaîne du dos. Voilà. Des omoplates jusqu'au lombaire. Donc je ne vais pas le faire rapidement, mais par contre avec de l'amplitude. Ensuite, la boxe anglaise. Alors la boxe anglaise, le principe, c'est un déplacement pas chassé. Je contourne mon adversaire à un crochet du gauche. Pareil, crochet du droit. Crochet du gauche, crochet du droit. Et j'enchaîne le nombre de répétitions du palier où je suis. Et on termine par l'escalade. Alors l'escalade, je ne vous demande pas de monter sur vos meubles. Hein. On va rester sur du simple, mais de l'efficace. On est au sol. On a comme point d'appui au sol les deux mains et les deux pieds. Je suis bien gainé et je vais progresser comme ça. Donc j'avance mon pied, j'avance mes mains. Voilà, comme si je progressais sur une paroi. Et le nombre de touches par rapport au nombre de répétitions, c'est les mains et les pieds qui font une touche. Donc si c'est 6, si j'en fais 6, sur le palier 1 par exemple, j'avance mes mains, j'avance mes pieds, ça fait une répétition. Deuxième, etc. Vous verrez que la 20e, la dernière épreuve des Jeux Olympiques, la 20e répétition, elle va faire très mal. Pensez bien à être gainé sur chaque épreuve. On est parti ? Allez, je vous laisse prendre la balle. Vous positionnez, vous préparez. Premier palier, 6 répétitions de chaque épreuve. On commence par le foot, attention. Go ! Allez, 6 passes, 2, 3. Je donne un rythme, hein. Essayez de le suivre, mais chacun a son rythme. Et 6. Ok, je pose la balle, je prends ma raquette, je passe au tennis. Allez, un coup droit, un revers. Ça me permet comme ça de me rappeler mon sport, même en confinement. Encore un chaque, on souffle, revers. Ok, je garde la raquette, l'escrime. C'est parti. Allez, on ne cherche pas à aller trop vite, on cherche à intégrer chaque mouvement. 3 mains droites, main gauche. Et 3, ok. Canoë et kayak, je garde ma raquette. Le tapis, je m'assois. Je lève les pieds et on y va. À gauche, à droite. Voilà, contrôlez bien chaque mouvement. On va chercher sur l'arrière et on garde l'équilibre. Encore un chaque. Ok, pour le canoë. On enchaîne. L'athlétisme. On pose la raquette. On est prêt dans les starting blocks. À vos marques. Prêt. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On souffle. La lutte. On est prêt. On prend le tapis pour les genoux. Et go. Allez, au sol. On se relève. Au sol. Soufflez. Allez, 3. 4, bien gainé, attention à son dos. 5 et 6. Très bien. Le basket. On se positionne. Prêt. Allez. On fait des shoots. On n'enchaîne pas trop vite. Et on tient jusqu'à la fin. 5 et 6. Natation. On prend le tapis, on s'allonge. Il faut de la place. Et on y va. Allez, on brasse. On va loin derrière et loin devant. 2, 3, 4, 5 et 6. On souffle. Boxe anglaise.
On est prêt? Allez, pas chasser, crochet. Pas chasser, crochet. On contourne. 4, 5, 6. Ok. Et on termine par l'escalade. Prêt à l'escalade? Les pieds et les mains. On y va. On progresse sur place. On avance, on recule. Les mains et les pieds. 3, 4, 5 et 6. Attention quand vous vous relevez. Et on démarre. Pause de 20 secondes. On boit une petite gorgée. Pensez à boire. Et on est reparti. On se refait un petit tour de JO. On prend la balle. Attention, 2 secondes. Allez, c'est parti. Maintenant, vous avez compris, on gère. Si vous avez du mal à contrôler la balle, rapprochez-vous un petit peu de la plainte. Comme je viens de faire là. Je me suis raté, le foot, c'est il y a longtemps. Hop. Donc là, on est à 10 répétitions, hein, palier 2. Dans le quart de finale. Encore 2. Tac. Ok. 10 répétitions, on prend sa raquette. 10 répétitions de tennis, c'est parti. Coup droit. Très bien. Allez, 4, 5, 6. Oula, je fais casser mon lustre. J'ai l'habitude. 8, 9 et 10. Impeccable. L'escrime. Garde sa raquette. On est parti. Fente avant, sauter. Go. 1, 2, on contrôle. 3, 4, 5, changement de main, changement de jambe. 1, 2, 3, on souffle. 4 et 5. On a fait les 10, impeccable. Canoë kayak. On prend le tapis. En position. On lève les pieds, on gaine. On arrondit un petit peu le dos pour protéger. C'est parti. 3, 4. 5, 6, 7, essayez de garder les pieds stables, 8, 9, et 10, c'est bon pour le canoë, on sort de l'eau, athlétisme, allez, position, départ, sortie de bloc, prêt, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfait, la lutte, on remet le tapis, juste pour les genoux. Et c'est parti. Je me mets au sol. Je remonte. Je suis bien gainé. Attention, je vais en faire 5 après. Je vais changer l'ordre des genoux. Travailler un petit peu ma coordination. Hop, on change l'ordre. Vous allez voir, c'est difficile. Ça fait bizarre. Et on se force. Allez, encore 2. Ok, c'est bon pour la lutte. C'est bon, tout le monde suit. Impeccable. Le basket. Prêt? Allez. 1. 2, 3, 4, 5, 6, on pousse vers le haut, 7, on tend les jambes, 8, 9, et 10, 10 sur 10, impeccable, bon ratio. Natation, sur le tapis, allongé sur le ventre, et on imagine qu'on fait la brasse, c'est parti, 1, 2, de l'amplitude, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Impeccable. La boxe anglaise. On est parti. Allez. 1, pas chassé. 2, crochet. 3, on tient. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, parfait, dernière épreuve, l'escalade. Les pieds au sol, les mains au sol. On est prêt, on y va, on progresse sur place. 2, 3, 4, on souffle. 5, 6, 7, 8, on tient 9, et 10. Impeccable. Une pause bien méritée de 40 secondes.
Donc là, vous devez sentir, hein, le cardio, il est monté, hein. Le rythme cardiaque. Donc là, le but pendant les 40 secondes, là, c'est de le faire redescendre au maximum. Soufflez. Une inspiration, deux expirations. Allez, on voit un coup. Donc à partir de maintenant, ce qui est important, c'est que vous savez où vous en êtes. Chacun gère son rythme. On est en demi-finale. Si vous êtes plus dans le même rythme que moi, vous êtes super en forme. Moi, j'ai mis un rythme moyen. Vous êtes super en forme. Vous pouvez aller un peu plus vite. Vous sentez que c'est plus compliqué, que les 14 vont être difficiles à tenir. Vous restez dans ce rythme. Ou même, vous pouvez rester à 10. C'est pas un problème. Du moment que vous faites le même nombre de répétitions sur les 10 épreuves. Et vous tenez. Vous soufflez. Et si vous perdez un peu le rythme, c'est pas grave. On saute une épreuve. On raccroche sur la suivante, etc. C'est un travail d'équipe. On est prêt? Donc là, en demi-finale, on est à 14 répétitions. Prêt? Allez, go pour le foot. 1, 2, on souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, 10, 11, 12, 13, 14, impeccable. On pose la balle, on prend sa raquette. On est au tennis. Allez, 1, 2, 3, 4. Amusez-vous, faites-le à 2 si vous avez la possibilité. Comme si vous faisiez un match. 8, 9, 10. On enchaîne. 11, 12, 13 et 14. On garde sa raquette. Position escrime. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais aller un petit peu trop loin. 1, côté gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai fait une de plus. Quand même, on compte pas. C'est bien connu. Canoë kayak. Allez, on s'assoit, on prend sa raquette. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, on tient, 5, 6, 7, les épaules tournent, accompagnent le mouvement, 8, 9, 10 pour les obliques, 11, 12, 13 et 14. On pose la raquette, on est sur l'athlétisme, prêt pour le départ, attention, demi-finale de 100 mètres, parfait, prêt, partez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Impeccable. La lutte. On prend son tapis. Attention. Allez, go. Au sol. On remonte. 1, 2, 3. Toujours gagné. On souffle. 4, 5. Allez. 6, 7. Celui-là est difficile. 8, 9, on va à son rythme, 10, on change de jambe, 11, 12, 13, et 14, impeccable pour la lutte, le basketball, prêt, allez, 1, 2, 3, 4, on tire, 5, 6, 7, fléchis, 8, et on pousse, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Parfait. Natation. Allez, on tient. Prêt. Et c'est parti, la brasse. 1, 2, 3, 4. Pensez aux omoplates. 5, 6, 7 avec les jambes. 8, on souffle. 9, 10, 11. 12, 13 et 14. Super. On est chaud, on enchaîne avec la boxe. Boxe anglaise. Prêt? Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5. On tient le rythme. 6, 7, 8,
chasser. 10, 11, 12, 13 et 14. L'escalade, après il y aura une petite pause. On est prêt. Sur les pieds et les mains. On y va, on souffle. 1, 2, 3, 4, on synchronise. 5, 6, 7, bien gainé. 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Impeccable. 1 minute de récupération. On marche, on boit un coup. Et on souffle. Allez. Pensez à souffler au niveau du rythme. Une inspiration, 2 temps d'expiration. Pour revenir un peu plus bas. Alors, attention, c'est l'heure de la finale. Et comme on dit, tout le monde le sait, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Donc on va tous la gagner cette finale. Peu importe le nombre de répétitions qu'on s'est donné, rappelez-vous, vous gérez par rapport à vos sensations propres à vous-même. Donc, on reste sur 14, on passe sur 20, comme j'ai indiqué tout à l'heure, et on va même prendre la bouteille à la place de la raquette. Ça, c'est pour ceux qui veulent durcir un petit peu l'effort au niveau musculaire sur le haut du corps. Donc, pour l'exemple, je vais prendre la bouteille, mais vous pouvez rester avec la raquette si vous ne sentez pas de le faire avec un peu plus de poids. On est prêt ? Donc la bouteille, c'est pour après, on commence par la balle et par le foot. On y va? Allez, moi je pars sur 20 répétitions, mais chacun à son rythme. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On pose la balle, on prend la raquette ou la bouteille, je la prends au milieu et c'est parti. Allez, coup droit, revers à deux mains. 4, 5, 6, je contrôle le mouvement. Hein. 7, 8, 9, 10, on souffle. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je garde la bouteille, on passe à l'escrime. On souffle, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à l'horizontale, 8, 9 et 10, bras droit, on enchaîne. 11, côté gauche, 12, 13, allez, 4, pensez aux appuis, fort au sol, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On garde la bouteille ou on garde sa raquette selon son choix, on passe au canoë. On est assis, on relève les pieds, on s'équilibre et c'est parti, côté gauche, côté droit, 2, 3, 4, allez, concentré, 5, 6, 7, 8, on tient, 9, 10, 11, 12, 13, 14, on gère le déséquilibre, 15, 16, 17, on souffle, 18, 19, et 20, impeccable. Après le canoë, l'athlétisme. Position de départ, 20 touches rapides, prêt, partez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On souffle. On met le tapis. On enchaîne sur la lutte. Attention, 20 fois au sol. 20 fois on monte à la verticale. On est prêt. Allez, go. Allez.
3, 4, allez, 5, c'est le parcours du combattant. 6, 7, on sait à changer l'ordre. 8, 9, comme ça on change le pied qui pousse. 10, on enchaîne dans l'autre sens. 11, 12, 13, allez, 14, 15, 16, 17, on tient, 18, ça commence à tirer, 19, et 20, impeccable. On prend son souffle, allez, le basket, go, allez, 1, 2, 3, on garde son rythme, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on imagine qu'on fait un vrai basket, 13, 14, 15, 16, 17, 18, je paye un coup à celui qui met les 20, 19, et 20, panier. Natation. Allez, continue à souffler. Si on commence à être vraiment fatigué, on peut réduire. Prêt? On y va. 1, 2, 3, on tient. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 14, 15, 16, 17, 18, et 19, et 20, au top. Allez, la reste deux. On est parti, boxe anglaise. Allez, pas chasser les crochets. 1, 2, c'est là que ça bosse dur. 3, 4, on tient. 5, 6, c'est dans la tête. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20. Impeccable. Allez, escalade. Dernière épreuve de la finale. On est prêt, on est à bloc. Ça tombe bien pour l'escalade. Petit jeu de mots. Prêt? Sur les pieds. Go! Allez, on progresse. 2, 3, 4, 5, 6. On peut changer aussi l'ordre. 7, 8, 9, on tient. 10, bien gainé. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bingo! Parfait! On l'a fait! On est allé au bout des Jeux Olympiques! Au bout de la finale! Bravo! On boit un coup, on marche, on souffle. Ah, on sent bien. Allez. Donc là, à la base, on est sur 2 minutes de récupération. Hein, entre cette partie et la dernière partie, le renforcement musculaire. On va se concentrer sur ses abdos et ses lombaires. Donc beaucoup plus statique sur la forme que ce qu'on vient de faire. Soufflez. On voit bien. Hein, c'est important. Même Bob Sinclair, il est à fond là. C'est dire. Pour nous motiver. Alors, je vous montre, pendant que vous continuez à récupérer, prenez le temps, je vous montre les 3 exercices qu'on va faire sur le tapis. Premier exercice, on se met en gainage sur les avant-bras, gainage classique.
On tient pendant 20 secondes. Au bout de 20 secondes, je vous dirai, on bascule. Ça veut dire qu'on bascule sur un côté. Alors, quand je bascule sur un côté, je vais mettre le poids du corps, par exemple, sur mon côté droit, donc sur l'avant-bras droit. Je vais bien contrôler la bascule pour que ma hanche reste bien en place et pas que je m'écroule. Et je vais passer sur le côté. Mes deux pieds, mes deux points de pied restent au sol pour m'équilibrer. Je monte le bras ou je le redescends, peu importe, je cherche l'équilibre principalement. Et je tiens pendant 10 secondes d'un côté. Ensuite, je vous dirai, on rebascule de l'autre côté et on passe de l'autre côté pendant 10 secondes. On revient en position normale et il nous restera les 20 dernières secondes à tenir. Et pour les meilleurs en calcul, ça fait en tout 1 minute. 1 minute de gainage, mais avec des changements de position, ça vous paraîtra beaucoup moins long qu'une minute en gainage dans la même position. Ça, c'est le premier exercice. À la fin de cet exercice, 30 secondes de récupération. Et je vous montrerai les exercices suivants pour qu'on se concentre sur chaque élément au fur et à mesure. Allez, je vous laisse vous mettre en place. Préparez le tapis. On se positionne. Et c'est parti. On met le chrono. Je mets le chrono. On est prêt. Gainage. Allez, go! Avant-bras. Pensez, dans ce gainage, les mains sont relâchées, l'épaule alignée avec le coude et le regard au niveau des mains pour ne pas tirer sur les cervicales. Et on fait la planche. 5 secondes. Allez, attention d'être bien aligné. Prêt, on passe sur un côté de son choix et on tient. On souffle. Allez, 10 secondes à tenir. On est bien, attention, changement de position. Faites-le pas trop vite, le changement, pour ne pas vous déséquilibrer. Et on tient 10 secondes. Soufflez, gainez, concentrez. On revient en position normale. Et 20 dernières secondes. Allez, c'est facile, on tient. On souffle. 10 secondes. Allez, on sent que ça travaille. Concentrez-vous sur la zone qui bosse. Toute la sangle abdominale. Et lombaire. On tient. Top. On souffle, on se redresse. C'est 30 secondes de récupération. Et en même temps, on jette un peu la vidéo. Parce que je vais vous montrer la suite. L'exercice suivant, on est en gainage bras. Appuie sur les mains. Les genoux décollés du sol. Appuie sur les pointes de pied. Et on va tenir la position, et je vais vous donner une indication. Il va y avoir lever le bras droit, on le tient 3 secondes, on le rabaisse. Il va y avoir lever la jambe gauche, etc. Et on termine par un petit combo, par exemple lever le bras gauche et la jambe droite. Et on tient la position. Et la gestion de l'équilibre, c'est là qu'on travaille au niveau gainage. Sur tous les muscles stabilisateurs et les muscles profonds des abdominaux. Ça change des muscles, on va dire, superficiels de surface. On travaille habituellement. On est prêt? Tout ça, c'est pendant 1 minute. Et bien, c'est parti. Position, gainage, bras. On prend la position et on tient. Pensez à souffler. On va lever le bras droit. On bascule le poids du corps sur le côté gauche. Et on repose sur les 4 appuis. On va lever la jambe gauche. On maintient l'équilibre. Et on repose. On va lever le bras gauche. On garde l'équilibre. Et on repose. On lève la jambe droite. Allez, on tient. On souffle. Et on repose. Attention, on va lever le bras droit et la jambe gauche. Alors, vous avez compris, hein, c'est en décalé. On repose pour gérer l'équilibre. On va lever le bras gauche et la jambe droite. On tient. Et on repose. Attention, il reste 10 secondes. Bras droit, jambe gauche. On repose. Dernière. Bras gauche, jambe droite. On tient, on souffle. Et on repose. Super. Top. Et on souffle. On boit un petit coup. 30 secondes. Et on va passer au lombaire. Alors pour le lombaire, on va enchaîner deux exercices. Le premier, ça va être la planche. On a fait sur la précédente séance. Donc on est allongé sur le dos, les épaules bien au sol, les bras le long du corps, la tête posée sur le sol.
On a les pieds au sol, on les ramène vers les fesses. Donc les jambes sont fléchies. Et on va monter son bassin pour être aligné. Et on tient cette position. Et on appuie fort sur ses talons. Donc on va lever un peu les pointes de pied de façon à laisser reposer ses mollets qui ont bien travaillé avant et qui peuvent tétaniser un petit peu, cramper un peu en fin de séance. On tient cette position de planche pendant 30 secondes. Et ensuite, on enchaîne avec un autre exercice pendant 30 secondes. Pour faire toujours une minute, c'est au niveau de ses lombaires, on va faire le dos creux, donc ça veut dire que je vais creuser mes lombaires, je vais monter un peu mes fesses, et en même temps je vais actionner ma tête de façon à monter mon menton, ce qui fait que je vais raccourcir toute la chaîne du dos, et qui va me faire vraiment travailler un petit peu plus encore en précision là, là, et je tiens, et ensuite j'enchaîne avec une partie dos rond, menton poitrine, et je vais étirer toute la chaîne du dos. Voilà, des deux extrémités, de part et d'autre, toute la chaîne va être étirée. Le dos rond, le dos creux, on enchaîne plusieurs fois pendant 30 secondes. On est prêt? Et ben allez, on est parti, 30 secondes, la planche, go! Allez, au sol, on rapproche les pieds, on décolle. On est aligné, on souffle, on appuie sur les talons, les bras sont relâchés. On relâche les épaules aussi, c'est important. Et on souffle. On regarde le plafond. Allez, 10 secondes. Trois secondes. Top! On se met à quatre pattes et on commence à creuser le dos. On y va, donc on creuse le dos, on monte la tête et on creuse. On sent qu'on force un petit peu, on tient 5 secondes et là on va arrondir en baissant le menton poitrine. Et on arrondit, on imagine qu'il y a un fil qui tire le dos vers le haut et on tient, on étire tout le dos, on souffle, on va recreuser. Allez, on insiste, on soulève les fesses, on tire la tête vers l'arrière, on tient, on souffle, et on fait une dernière fois, on arrondit, top, impeccable. Petite pause, et on va refaire un tour, deux, trois exercices, et on aura fini la séance, on aura été complet. Allez, on boit un petit coup et on se repositionne en gainage. On est prêt? Allez. Gainage, avant-bras. Je rappelle, 20 secondes pour commencer. Et après, 10 de chaque côté. Allez. On tient. On souffle. On lâche pas. 10 secondes. 5 secondes. Attention, 2 secondes, on change, on passe sur un côté, on tient, on reste équilibré, on souffle. Attention, top, on change de côté. Allez, 10 secondes de l'autre côté, on tient, on est aligné, bien gainé. Top, on revient en position normale, c'est pas fini, et on tient. 20 secondes, allez. Pensez à souffler régulièrement. Cinq secondes, on tient jusqu'au bout, on est aligné, on ne s'effondre pas. Top! Super. On souffle. Allez. Encore 20 secondes de récup. On est à 30 secondes normalement entre chaque exercice. On va transpirer. Hein. Allez, on est prêt. 5 secondes. Gainage bras. Et on va décoller. Chaque partie, attention. Go! C'est parti. On tient une minute. Gainage bras. Corps aligné. Et attention, on va lever le bras droit, on décolle, on souffle, on repose.
On va lever la jambe droite. Ce qui est bien, c'est que ça fait réviser la latéralité. On va lever le bras gauche. On souffle, on repose. On va lever la jambe gauche. On souffle. On repose. Attention. Le bras droit et la jambe gauche. Et on tient. On souffle. On pose. Bras gauche, jambe droite. On tient. On repose. On fait un tour. Bras droit, jambe gauche. On souffle. Parfait. On pose. Et une dernière. Bras gauche, jambe droite. On tient. On souffle. Et on repose. Impeccable. Parfait. On souffle. Et le dernier exercice pour le dos, pour mes lombaires, important. Allez, on se positionne, on s'allonge. On souffle. On fléchit ses jambes. Et attention, la position planche. Go! On tient. Allez, soufflez. Appuyez bien sur les talons pour soulager les mollets. On se concentre sur le bas de son dos. Jusqu'au fessier, on contracte. Allez, 10 secondes. On tient, on ne s'affaisse pas. 3 secondes. Top! Impeccable. On passe à 4 pattes. Et on est parti pour 30 secondes. On creuse son dos en montant la tête. Allez, on sent que tout mon dos se raccourcit. On contracte. Allez, allez. Ok, on arrondit, on baisse la tête. Le dos rond. On tient, on souffle. Encore une fois, on creuse. On souffle, on monte la tête. Et dernière étape, on arrondit, menton poitrine. On étire, on étire, on étire. Ok. Super. Impeccable. Et bien, on est allé au bout de la séance. Pour terminer, toujours un retour au calme. On s'allonge. On le fait brièvement, pas comme la semaine dernière. On va alterner. Des fois, on fera un petit peu de sophro. Là, c'est juste vraiment s'allonger. Donc, on se met sur le tapis tranquillement, à l'air libre ou dans son salon, comme depuis le début de la séance. On a tout le corps aligné, relâché. Et on essaye. L'objectif, c'est de prendre le temps de ramener sa respiration à un rythme normal, naturel. Donc, ça peut prendre pour certains 3 minutes, d'autres 30 secondes, etc. Vous devez vous relever à partir du moment où vous êtes revenu à un rythme normal. On peut mettre la main sur le cœur aussi pour sentir les pulsations. On peut prendre son pouls, etc. Voilà, le but, c'est de prendre le temps de revenir à la normale. Et en même temps, on va fermer les yeux, on va se relaxer. On va se relâcher complètement. Voilà, pour finir la séance et être complètement détendu pour l'activité suivante, pour ce que vous avez à faire. Voilà, merci d'avoir participé à cette séance. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi sur ces Jeux Olympiques et sur l'ensemble de la séance. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.